former Chasse Fougan Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. À Chasse Fougan Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en 3 domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée, le transverse pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Chasse Fougan Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. A très bientôt dans notre centre. Les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
première chose pour Grand Sud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. ASFO Grand Sud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez ASFO Grand Sud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. À très bientôt dans notre centre. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr. Là, ça devrait marcher en principe. Oui, allô. Ouais, ça va, Philippe ? Allez, super, impec. Là, après, si je me mets par là, par rapport à la caméra, pour que tu filmes, ça te va ? Ça t'ira ? Non, mais par rapport. Pour le Facebook, tu ne me fais pas moi ? Oui, voilà, d'accord. Là, c'est bon ? Allez, super. Allez.
Eh oui. Eh oui. On dira pas de conneries. On dira pas de conneries. Alors. Alors. Allez, bonsoir mesdames, bonsoir. Allez, mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'USC pour cette rencontre ce soir. Tout d'abord, David, tu m'entends pas, c'est normal parce qu'en fait, on va devoir se parler comme ça et le son est régulé par notre ami Philippe Soum qui est à la technique ce soir. Alors on espère qu'on n'aura pas trop de problématiques de son. C'est pour ça qu'on remercie tout le monde de nous mettre des petits messages. Effectivement, il faut que l'on mette les petites bonnettes un peu plus près de la bouche. Voilà. Alors attends, voilà. C'est le petit fils. Ça y est, c'est l'installation, monsieur Dame. C'est l'installation. Allez, on est bien installé ici dans les tribunes d'Albert Domecq. Où, ce soir, c'est la 14e journée de championnat de national. Et ce soir, les Carcassonnais reçoivent l'équipe de Bourg-en-Bresse. Je vous rappelle que vous êtes ici sur la chaîne YouTube de l'USC et qu'en simultané, vous pouvez aussi écouter Vibrer Rugby. D'ailleurs, c'est marqué sur nos t-shirts. Voilà, avec David. Il faudra qu'on pense en temps faire eux quand même. Oui. Voilà, puisque Vibrer Rugby est aussi sponsor des commentaires. On y va pour cette 14e journée. Bien sûr, comme David, ce sera la présentation. On va commencer par les rencontres, David, de cette 14e journée. Je te laisse faire les rencontres. Ce soir, il y a Albi Bourgouin, Périgueux-Nice, Tarbes contre Massy, Suresnes hier, Chambéry-Narbonne et Vienne contre Blagnac. Non, ça marche. Allez, tu continues avec le classement, s'il te plaît. Donc, Narbonne est toujours leader. Albi, Dauphin donc, et Carcassonne, troisième position. Nice, quatrième. Périgueux et Suresnes terminent sur top 6. Et de la septième à la deuxième place, on retrouve Chambéry, Bourgouin, Blagnac, hier, Massy, Tarbes, Bourg-en-Bresse est 13e. Et Vienne est malheureusement dernier. Allez, merci monsieur David pour ce classement. Comment vous pouvez nous écouter? C'est facile. Vous cliquez sur la chaîne YouTube. Ça ne marche pas. 1, 2, 3. On va un petit réglage micro. Non, je suis bon. On va le refaire. Ouais. On va le refaire. Ah, mais on n'est pas direct. C'est les aléas du direct. Un, deux. Après, ça va être compliqué parce que moi je ne l'entends pas. Allez, mesdames et messieurs, on va commencer par vous présenter la proposition de Bourg-en-Bresse. Avec au numéro 1, Théo Bordenave. Numéro 2, Arion Felfin. Le numéro 3, Antonio Romantino Valéley. Le numéro 4, Thomas Féliance. Le numéro 5, Massimino Poulis. Numéro 6, Pierre Félon. Numéro 7, Loïc Valle. Numéro 9, Robin Boy. Ça marche. Numéro 11, Élie de Torian. Numéro 12, Paradise, Isabelle Théa. Numéro 13, Paris, Paris. Et numéro 15, Blanc, Massy. Allez.
Allez, bonsoir mesdames, allez, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. On recommence ce Facebook Live. Puisqu'ici on est au stade Albert Domecq, ce soir c'est la 14e journée, de championnat de national. On est bien installé ici dans les tribunes d'Albert Domecq. Et je suis avec David Sanz. Comment ça va David? Comment ça va David? Allez, on va essayer de bien commenter ce match ce soir. On va essayer de bien s'entendre, David. On va essayer de bien s'entendre, David. On va essayer de bien s'entendre. Les joueurs sont encore sur le terrain. On est à peu près une vingtaine de minutes. Du coup d'envoi, est-ce que tu peux nous présenter les rencontres de cette soirée, de la 14e soirée, de la 14e? La quatorzième journée, David. Donc il y a Albi Bourgoin, Périgueux, Nice, oui. Tarbes Massy, Suresnes hier, Chambéry, Narbonne et Blagnac se déplace à Vienne. Alors ce soir peut-être David, on va retenir un match en particulier. Qu'est-ce que lequel tu verrais? Alors, Moi je mettrai quand même un oui. Périgueux Nice. Un Périgueux Nice, ouais, intéressant. D'accord. Périgueux, ils sont allés 6. Oui. Et Nice a besoin de points, donc c'est vrai. Ça peut être un match accroché. Et moi, je retiendrai Chambéry-Narbonne. Voilà, chacun le sien, c'est comme ça. Parce que Chambéry, c'est une équipe qui revient plutôt fort dans cette fin d'année. Et Narbonne, c'était écrit dans les journaux, dans les articles, aller chercher à gravir cette dernière montagne, en faisant une métaphore un petit peu montagnarde, on va dire. Et ça a l'air de, c'est ce soir, je crois, en plus, Chambéry-Narbonne. Hein. Oui, voilà. Le classement, David. Alors, Narbonne toujours leader, donc 47 points. Oui. Albi, Dauphin, 43 points. Carcassonne suit en troisième position avec 42 points. Oui. Nice est donc quatrième. Périgueux et Suresnes terminent donc ce top 6, 5e et 6e respectivement. De la 7e à la 12e place, on retrouve donc Chambéry, Bourgoin, Lagnac, Hier, Massy et Tarbes. Bourg-en-Bresse est 13e et oui. Vienne dernier. Et Vienne dernier, effectivement, qui est une seule victoire au compteur. Ça doit être compliqué pour ces joueurs. On a quand même une petite pensée pour eux. Allez, comment écouter nos commentaires, regarder le match, c'est facile. On ne l'a pas dit, mais bien sûr, c'est Philippe Soum qui est à la technique ce soir, son et image, pour cette retransmission. Salut notre ami Philippe. Comment se connecter pour nous écouter, c'est facile. Vous allez sur YouTube, bien sûr, vous chopez la chaîne de l'USC et vous vous connectez avec le en direct et rien de plus simple. Après, on ne l'a pas dit, mais bien sûr, vous êtes aussi en simultané avec Vibré Rugby. Vibré Rugby, c'est des commentaires audio, bien sûr, avec nos amis Christian Guittard et Joël Rendé à la manœuvre. Ils sont juste en dessous de nous. Et là aussi, c'est très facile. Vous téléchargez l'application. Vous allez sur Facebook, vous pouvez partager aussi notre page. Toutes les informations de l'USC vous sont communiquées et partagées. Les sponsors historiques, c'est bien sûr des sponsors aussi de l'USC comme de Vibré du Rugby, avec Bureau Service, CTH, Peugeot Razoustrebe, bien sûr, Bernard Suroc à la manœuvre, bien sûr, et Jean-Christophe Delpy avec Vibré Rugby. On n'oublie pas non plus les amis d'RCF avec l'émission La Très et très sympathique équipe de Côté Ouvert avec Patrick Fascina, Renaud Sorel et Jérôme Beson, Christian Mosna notamment, sur RCF, c'est une fois tous les 15 jours et vous pouvez l'écouter. Enfin, deux partenaires qui nous sont importants, c'est Serge Gonzalez pour les photos. Vous pouvez retrouver ça, les photos sur Facebook aussi, et le Petit Journal avec qui on partage les articles, cher David. Oui. J'espère que tu les lis. Hein. Il n'y a pas de problème. Allez, ce soir, Bourg-en-Bresse qui est déjà rentré, Carcassonne qui rentre dans les vestiaires. La rencontre va démarrer dans quelques minutes. Un point sur la météo. David, c'est plutôt pas mal. Oui. Les conditions météo sont relativement bonnes. Il y avait un petit peu de vent, mais qui s'est... Vas-y. Un petit peu de vent qui s'est estompé. Ouais. Il y a eu un peu de pluie tout à l'heure. Et là, ça c'est... Il y a encore du vent, hein, quand même. Mais bonnes conditions pour jouer. Ce soir, le vent, donc, c'est un vent du nord, on va dire. Oui. Donc, il faut voir qui aura le toss pour avoir le vent contre le vent en première mi-temps. Normalement, c'est le choix des coachs, mais bon, après, on verra bien. Alors, les enjeux de cette rencontre, ils sont un petit peu critiques d'un certain côté, mais peut-être un petit peu des deux côtés, puisqu'on a une équipe en difficulté, Bourg-en-Bresse, voilà, avec 4 défaites en 5 matchs. Après, voilà. Bon, Bourg-en-Bresse, ils ont perdu les 4 matchs, les 4 derniers matchs. Ils ont donc perdu à la maison contre Bourgoin de quelques points, sur de moins de 5 points. Oui, c'est ça. Et ensuite, le week-end avant, ils se sont inclinés
à hier, 13-12 ou 14-12. Oui. Donc, oui. Voilà, ils ont les quatre derniers matchs qui sont des défaites. C'est vrai. Donc, je pense qu'ils vont essayer de peut-être de venir glaner des points ici, puisque ils sont sur des deux derniers matchs à moins de 7 points en résultat négatif. On est d'accord. Mais Carcassonne aussi n'est pas en reste parce qu'effectivement, on ne va pas revenir sur l'épisode de la réclamation. Effectivement, la FFR qui a statué sur le match qui va se rejouer, mais n'a pas convaincu non plus face à hier. Malgré un 31-0 à la mi-temps, on a perdu le point de bonus. Je pense que les coachs, notamment Eric Escribano, étaient assez énervés et remontés contre lui-même et contre certains joueurs. Voilà, donc on a peut-être des choses aussi à se prouver ce soir. Oui, pour Carcassonne, ben, ça va être, je pense, la demande des entraîneurs de scorer, de récupérer ben, le maximum de points ce soir, puisque effectivement, par rapport au week-end dernier, vendredi dernier, on pensait tous qu'ils allaient prendre le bonus offensif. Oui, c'est ça. Et ils viennent le perdre sur la sirène, entre guillemets. Donc, exactement. Ouais, un match un peu, pas de rachat, mais montrer autre chose et plus de volonté sur, et plus de on va dire de complétude au niveau de la fin de match. J'ai oublié, mais ce soir on remercie nos amis Bressan qui doivent nous regarder puisqu'il y a eu pas mal de pas bougé. Non, on n'entend pas. Ah, j'ai pas bougé. Je n'ai rien touché, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé, j'ai pas touché. Ouais. Allô, allô. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais. Donc, du coup, on a les compositions en direct. Ouais. On va passer à la composition. On va les annoncer. Allô. Ça, voilà, on a quelques petits soucis techniques. Je ne sais pas. Je bouge pas. Voilà. D'accord. Allez, on va voir. Est-ce que là, ça ira un peu mieux, peut-être hein? Je monte un petit peu le micro. Est-ce que là, on m'entend mieux? Allô, allô, 1, 2, 1, 2. On va changer les micros, alors. Ouais, je sais pas. Je suis à fond. Alors, on essaye, on peut essayer, voir ce que ça raconte, comme ça. Allô, allô, allô. Bon, je sais pas. On va changer. Mais non. Il faut que les deux micros marchent. Hein. Il faut que les deux micros marchent. Hein. On continue et tu vois ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Hein. Non, mais je peux le reprendre si tu veux. Ma voix porte plus. Eh bien, attends, on va changer. Joël. Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends pas? Alors, ça marche pas la voix de radio non plus. Donc c'est pas un problème. Non? Et là, est-ce que ça, tu m'entends là maintenant? Donc là, si je suis, si je passe, c'est là, on est, tu m'entends? Est-ce que là, tu m'entends? Super bien. Tu m'entends moi? Pas du tout. Pas eh bien, tu vas combattre tout seul. Alors, par contre, moi je l'ai de ce côté, lui il l'a de ce côté. D'accord. Allez, on va continuer, monsieur, dame, aux commentaires. On a un petit micro, rien de bien méchant. Un deux. Alors, du coup, c'est bon? On m'attend ou pas? Qui nous suit depuis de nombreuses saisons, qu'on remercie infiniment, et vous l'avez vu.
Alors, je reprends la main, puisque on n'a plus qu'un micro, donc on va essayer de trouver une solution. Je vais vous annoncer donc les compositions d'équipe. Donc, on va partir sur l'équipe de Bourg-en-Bresse. Donc, pilier gauche, Théo Bordenave. Au talonnage, Arnaud Feltrin. Numéro 3, Antonio Ouloulou Atualeyele. Numéro 4, Thomas Deliance. Numéro 5, bien connu des terrains de Pro D2, Marcelino Polino, donc ancien joueur de Montauban notamment. 6, Pierre Reynaud, qui était chez nous l'an passé. Et donc, troisième lignel, aussi Lucas Lyons. Numéro 8, Loïc Baradel. Numéro 9, demi de mêlée, Robin Groll. Numéro 10, ouvreur, Thibaut Hollander. Numéro 11, Élie de Florian. Numéro 12, Parataizo, Silafae, Léa Anna. Numéro 13, Maïlé Mamao. Numéro 14, Thibaut Perrette. Numéro 15, arrière de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Là aussi, bien connu de, donc des terrains de Pro D2, Florent Massip, ancien arrière de Provence. Au niveau côté remplaçant, donc numéro 16, Louis Dassal Martini. 17, Vaca Kapanadze. Numéro 18, Joshua Peters. Numéro 19, Nail Adnasser. Numéro 20, Nicolas Fauré. Numéro 21, Alexandre Badet. 22, Joseph Benito. 23, Maafou Fia. Manager de cette équipe, Richard Savé. Entraîneur des avants, Jonathan Elgoyen. Au niveau donc de la composition de Carcassonne, donc pour la première ligne, Lorenzo Petrachvili Akobadze. Seconde ligne, capitaine Romain Mankia avec associé Yves Timichouk qui perd un gros match le week-end dernier. Troisième ligne, on redonne la confiance aussi à Fadli, numéro 6, Erjan, numéro 7 et Romain Guillaume, numéro 8. Au côté charnière, donc Gaëtan Pichon avec donc Miché en numéro 10. Daré Latour, numéro 11. Jordan Puletua, numéro 12. Vaya, numéro 13. Numéro 14, Bureite Kayasa. Numéro 15, Maxime Gianet, arrière de l'équipe de Carcassonne. Côté remplaçant, 16, Carbou, 17, Ursaké, 18, Fontaine, 19, CC, 20, Landaro, 21, Egiziano, 22, Dreno, 23, Arnold. Autant vous dire que le choix a été d'avoir plus d'avance sur la feuille de match côté Carcassonnais, alors que le coup d'envoi vient d'être donné directement en touche par les joueurs de Bourg-en-Bresse. Allez, c'est parti ici à Carcassonne avec une première mêlée, introduction donc pour les jaunes et noirs suite au coup de pied d'envoi qui a été directement envoyé en touche côté Bourg-en-Bresse. Introduction pour Gaëtan Pichon. Mêlée aux 50 mètres, bien entendu. Alors qu'on n'a toujours pas retrouvé mon collègue de commentaire, je pense que ça va se régler peut-être. Allez, les deux équipes se positionnent. Allez. Allez, rien ne se passe pour l'instant puisque les deux équipes sont encore en train de se positionner en mêlée. Il y a eu une première flexion, mais qui n'a pas été retenue puisque les deux premières lignes se sont relevées. Donc ils sont toujours encore en train de se positionner. Mêlée introduction, Gaëtan Pichon. On note que les trois quarts de Carcassonne sont positionné deux de chaque côté donc deux dans l'axe, ce qui peut avoir une solution des deux côtés. Allez, mêlée qui va être refaire. Ouais, mêlée, donc première, sur la première mêlée, il y a une première pénalité pour Carcassonne. Donc il considère que le pilier droit donc de Bourg-en-Bresse, je vais l'appeler Antonio par son prénom, a donc lâché. Et donc, première pénalité pour Carcassonne, qui va donc investir le camp de Bourg-en-Bresse pour une pénale touche dans les 22 mètres. Allez. D'accord. Allez, on continue. Alors, Carcassonne choisit un alignement complet.
avec un relayeur Akobadze. Donc, considère que le sauteur a été projeté dans la ligne de touche. Ouais. Si j'ai bien vu le geste de monsieur l'arbitre. Dommage pour cette munition, David. Il me semble quand même que c'était la première fois qu'on allait dans les 22 mètres. Et le lancer a été compromis par monsieur l'arbitre qui a vu une faute. Ouais, ils ont manqué de maîtrise au niveau de la touche. Ouais. Bon, ils ont de nouveau donc ils récupèrent la touche donc dans leur camp puisque c'était un bras cassé sifflé par l'arbitre, donc il y a touche donc au niveau des 45 mètres pour Carcassonne. Lancé Petrashvili. Impeccable. C'est dans les 40 mètres de Carcassonne. Effectivement, on n'a pas parlé de Carl Ferns qui nous a quitté, effectivement, David. Oui. Comme un accord avec le club et le joueur. Donc, on l'avait vu un peu fatigué, notamment hier. Oui. Voilà. Je crois que la décision a été plutôt sympathique. On a récupéré le ballon. Du côté Carcassonne, on va passer là de Gavin Michel. On va aller directement. Bien défendu par Massy. On n'a pas parlé de Massy non plus. On va revenir à l'unanimité de l'arbitre, quelque chose, ce sera un ballon pour les jeunes, on va revenir à l'unanimité de l'arbitre. Donc, deux quand même top players de Pro D2, et puis il y a Pierre Reynaud aussi qui joue à Carcassonne. Ouais. C'est Jordan Polituan qui ne maîtrise pas le ballon. Et ce sera donc mêlé aux alentours des 40 mètres dans le camp pressant. Et ça fait 5 minutes qu'on joue et ça fait deux munitions dans les 22 mètres donc, de Bourg-en-Bresse qui sont un peu galvaudés. C'est ça. Il faudrait peut-être un peu plus remettre la main sur le ballon. Je pense que c'est Petrashvili qui est sorti du molle, donc il aurait peut-être dû attendre et refaire une cellule autour. Le temps de se recomposer, de prendre le temps. Voilà. J'ai un petit message à passer pour Noël et Denis, les agents techniques du lycée du collège Jules Verne, qu'on salue bien bas, puisque ce sont des fans de l'USEC qui nous écoutent. C'est ce que j'ai appris, et donc on salue bien bas Noël et Denis. Bilal, le falfalji, qui partit en percussion, ballon toujours gagne en percussion, dynamisme, avec Petrashvili, Gabem, Chichi, Mitsuk, percussion, on n'arrive pas à casser les plaquages au moment, le ballon toujours pour les gens, on prend de la distance, c'est pas mal fait, va, cassé, premier plaquage, cassé, le ballon toujours au hauteur des 22 mètres, cette fois-ci pour Romain Guyot, qui ne fait pas la différence, qui fait face par le sol, ça défend bien côté Bressois.
Voilà. C'est quand même Michel qui a pris le trou, qui a pu faire la passe, mais c'est Nan avant Dipitchuk. Effectivement. Et c'est Massip qui peut repartir en repartant sur les ailes. C'est une action qui est arrêtée pour le moment. Le joueur qui est plutôt bien arrêté, Florent Massip, encore une fois. De plus, le ballon est cette fois-ci pour Maxime. Maxime Jeannet qui se joue des côtés. Qui casse 2-3 plaquages. Qui arrive à passer en hauteur des 40. Bien protégé par Trajvili là-bas. On continue avec Pouletoua. Faites-toi, s'il revient dans le trafic en hauteur des 40. Le ballon est pas préservé, mais Dipitchuk met la main dessus. Il n'y a pas d'avant, David. Ça dynamise. Oui, tout à fait. Un an avant, mais finalement, j'ai dit ça pour que le SEC commette un an avant. Ce sera donc une mêlée au-delà des 45 mètres. David, on ne prend pas le dessus sur cette équipe récente qui est quand même, ma foi, dans une défense plutôt intéressante. Oui, tout à fait. Ils sont bien positionnés. Ils défendent assez très rapidement dans les zones près des rucks. Et donc, ils montent vite. Ça défend bien côté Bourg-en-Bresse. La preuve, Carcassonne a reculé. Ouais. Et Bourg-en-Bresse a même récupéré le ballon pour jouer derrière avec Florent Massip qui a joué un coup de pied. Bien récupéré par les Carcassonnais, mais qui commettent de nouveau un en avant. Donc, un peu trop peut-être de précipitation. Ils veulent bien faire. Voilà, on va partir du principe qu'ils veulent bien faire et que ce ne soit pas des erreurs techniques. Oui. Donc, voilà. Bon, on arrive à des 10 premières minutes et 0-0 score. Carcassonne qui a mis un peu le ballon, mais l'équipe de Bourg-en-Bresse s'en est plutôt bien tirée. Et donc c'est une mêlée, il y a un problème avec les premières lignes. Donc monsieur l'arbitre, on n'a pas dit son nom, je vais vous le dire, monsieur l'arbitre, de la rencontre. C'est sûr, on n'a pas de chance ce soir. Alors on y va. C'est monsieur François Bouzac. François Bouzac, ce soir, qui est aussi fait. Donc, qui est assisté par Pierre-Olivier Julien, qui est un hérolté. Hein. Et Corinne Legrand, qui est une arbitre féminine, avec vraiment un arbitrage très cohérent, puisqu'elle a la chance de faire des seniors de régional, et on a eu la chance de la voir. Et elle est très, très cohérente. Ouais. Alors qu'on a un beau bébé là du Bourg-en-Bresse avec Baradel, le numéro 8, solide bébé. Mais le ballon est entre les mains de Groll, qui va faire cette introduction pour Bourg-en-Bresse, qui était en difficulté la dernière mêlée, puisque le ballon n'avait pas été tamé. Et ça tombe. En tout cas, les Carcassonnais sont récompensés. Deux fois qu'il est sur les points. Donc, de Bourg-en-Bresse, là, il s'est effacé carrément. Tout à l'heure, c'était la ligne. Là, il s'est effacé. Ça a chuté direct là, bien entendu. Allez, Gabriel Michel qui offre cette pénalité à Carcassonne, un peu au-delà des 22 mètres, effectivement. Mais c'est une munition pour qu'enfin, le tableau de marque ici à Carcassonne arrive à être ouvert. Et encore une fois, c'est un avant qui est relayeur sur la touche. Donc, c'était Bilal Fadli. Oui. Bon, après, la légère brume, on va dire, qui est tombée juste avant la rencontre, peut-être a mis le ballon glissant, mais effectivement, c'est une faute technique. Pourtant, ils étaient bien, ballon pris à deux mains comme il faut, ils étaient bien sur la touche. Oui, ils sont en position au niveau des trois quarts pour un jeu au pied. Donc pour sortir du camp, mais encore une fois la mêlée bressane. C'est Paulino. Hein. Ouais, il y a une faute.
Ouais, il y a une faute. Hein. Une faute un peu bête de Carcassonne qui vient contester le ruck. Apparemment du côté des micros. Voilà, on a un petit souci du côté des micros ici Albert Domecq. En tout cas, vous n'avez rien raté au niveau du score puisque on est toujours à 0-0 quasiment au quart d'heure de jeu. Et donc on va rebooter tout l'appareillage à la mi-temps pour pouvoir vous proposer un commentaire digne de ce nom. Et pouvoir avec David Sens revenir un petit peu à la normale. Donc je vais me charger de pouvoir commenter la fin de cette première rencontre. Je vous rappelle qu'on est à quasiment la 15e minute ici à Albert Domecq. Toujours 0-0. Beaucoup d'actions menées par l'USC, mais peu de pragmatisme. Allez, c'est une touche effectivement perdue par l'USC et c'est Bourg-en-Bresse avec Lyons qui part en percussion. Bourg-en-Bresse, il y a du lourd, on le sait. Paulino là à l'attaque effectivement avec Oulutulupu et le ballon toujours disponible pour les Bressans dans les 30 mètres de l'USC. Voilà, c'est le numéro 13 pour le moment, c'est Mao qui était à la manœuvre là pour récupérer ce ballon. Le ballon toujours disponible pour Groll. Ah ben, malgré Bilal Faldi qui a essayé de faire un contre-ruck. Mais attention, avec ce ballon perdu, mais in extremis, Gabin Miché était là pour veiller au grain, heureusement. Et le ballon toujours disponible pour Groll. Groll, on va jouer là-bas avec le numéro 13, Mao. Groll toujours à la manœuvre, Paulino cette fois-ci, non pardon, c'est Oulutupai, il se ressemble tellement, effectivement, heureusement qu'il y a les numéros dans le dos. Allez, c'est parti pour les Bressans, avec ce numéro 5, Paulino aussi, toujours grand et puissant, qui fait bien marcher la machine Bressane dans les 30 mètres de l'USC. On vient bien au contest, rien dit monsieur l'arbitre, ça passe même main quasiment avec Groll, mais bien défendu par l'USC, rien dit monsieur l'arbitre, et c'est le numéro 10 Hollander là qui est allé attaquer un petit peu la ligne. Et on continue avec ce ballon, encore une fois perdu par l'équipe de Bourg-en-Bresse. Heureusement que les ballons, il n'y a pas de mise en danger sur ces actions-là. Mais on fait des passes approximatives du côté de Bourg-en-Bresse. Ils s'en sortent plutôt bien les Bressans avec Mamao, percutant joueur numéro 13, centre en tout cas de cette équipe bressane. Intéressant, allez ça continue avec Groll. Groll, monsieur l'arbitre qui est un petit peu gênant. Florian Massip là qui essaie de prendre l'intervalle mais qui est bien rattrapé. Paulino cette fois-ci qui était plutôt attendu par Léo Daré Latour. C'est rigolo de voir Daré Latour bloquer en tout cas le grand et le géant Paulino. Mais attention, il y a 2 contre 1 pour jouer pour Bourg-en-Bresse. Heureusement, on est venu bien défendre côté de Carcassonne. Et ce sera, j'ai l'impression, soit un renvoi 22. Oui, c'est ça. C'est ce que dit monsieur l'arbitre. Un renvoi 22.
Alors qu'on est un petit peu capot ouvert là du côté de Carcassonne. Et oui, on subit la loi des Bressans en tout cas dans cette 18e minute avec quelques offensives tout à fait intéressantes. Le ballon pour Gabin Miché qui va pouvoir faire cette remise en jeu. On se replace, oui, les capots ouverts aussi du côté un petit peu de Bourg-en-Bresse. Allez, c'est parti, on va toucher les 30 mètres. Oui, c'est Baradel qui récupère ce ballon et qui va passer la ligne des 50 tout en puissance. Bien stoppé par des Carcassonnais, mais il permet de son équipe d'être dans l'avancée. Hollander là-bas pour son ailier, c'est bien fait. Et attention, oh, ça va être le premier essai probablement pour Bourg-en-Bresse. Et oui, premier essai pour Bourg-en-Bresse après cette belle offensive bressane. Il y a eu pas mal de jeux au pied. Déjà par Hollander qui est allé chercher son ailier qui a joué aussi un ballon au pied et qui est allé aplatir en terre promise. Et bien voilà, c'est Bourg-en-Bresse sur quasiment leur première occasion qui viennent ouvrir le score ici à Albert Domecq. Ça refroidit un petit peu les spectateurs qui sont venus encourager l'équipe carcassonnaise. Et c'est à la 19e minute. C'est De Florian, le numéro 11, qui a inscrit cet essai d'une fort belle manière, un peu un cas d'école. Et la transformation va être tentée par Florian Massip. On attendait peut-être ce soir une réaction carcassonnaise, et elle a été bien contrée en tout cas par l'équipe bressane. En tout cas dans ce début de partie, puisqu'on a eu les 2-3 munitions pour pouvoir aller ouvrir le score. L'USC s'est un petit peu cassé les dents sur la défense bressane. Et ma foi, c'est Massip qui va faire passer la transformation. Et ça passe du Florian Massip. Voilà, 7-0 ici Albert Domecq. Et on est quasiment à la 20e minute. Il va falloir une réaction des jaunes et noirs. Allez, c'est Gabin Miché à la manœuvre qui refait cette remise en jeu plutôt intéressante. Oh là là, dommage, encore un en avant. Une faute technique commise par les Carcassonnais. C'est vraiment bien dommage. C'est Bourey Takaïka qui a commis ça. Heureusement, Maxime Jeannet part comme un fou follet, mais bien arrêté par cette équipe bressane. Attention, le contest est-il bien fait? Non, dit monsieur l'arbitre. Et c'est Ergent. Qui rejoue avec un petit par-dessus pour Gabin Miché, Gaëtan Pichon qui peut retrouver le ballon et pouvoir faire jouer peut-être les trois quarts avec Léo Daré-Latour avec Pouletois qui revient un petit peu dans le trafic, un petit plaquage me semble-t-il là par... Et c'est Léo Daré-Latour qui casse à nouveau deux plaquages, on met en difficulté cette équipe bressane. Gabin Miché pour les gros, pour là c'est le Carcassonnais Kakobadze, Jeannet passe par le sol. Oui, ça y est, c'est fait, faut lâcher, dit monsieur l'arbitre. Toujours un avantage pour les Carcassonnais. Romain Manca en percussion. Oui, elle est belle, plutôt la percussion de Romain Manca. Gaëtan Pichon, on va revenir à la pénalité. En face des poteaux, la possibilité pour Carcassonne d'ouvrir son compteur avec cette position d'enjeu, effectivement. Signalé par monsieur l'arbitre. Monsieur Bouzac. Et j'ai l'impression que le tir rentre sur le terrain. Donc, c'est que l'on va tenter ces trois points. Position d'enjeu après une belle offensive. Mais j'allais dire, Bourg-en-Bresse s'en sort plutôt bien. Mais affiche quand même une belle défense. Malgré 2-3 percées des joueurs carcassonnais, on a manqué un petit peu de soutien et de volée pour les jeunes et noirs pour aller à Dame. C'est un petit peu dommage, mais Gaëtan Pichon va pouvoir peut-être ouvrir le score en face des perches pour l'USC. À la 22e minute ici, au chronomètre bien sûr de Domecq, qui n'est pas le chronomètre de monsieur Bouzac, comme vous le savez en national. Ah, on a les moyens ici à la Carcassonne pour pouvoir
travailler au corps cette équipe de Bourg-en-Bresse. Allez, ça passe pour Gaëtan Pichon. Ouverture du score pour l'USC 3, Bourg-en-Bresse 7. Après ce bel essai de Bourg-en-Bresse et ses tentatives ratées pour l'USC. Alors que l'on a un remplacement du côté de Bourg-en-Bresse. C'est le numéro 2, Feltrin, qui va sortir pour lui associer le talonneur, remplacé par le numéro 16, Julien. On salue bien sûr nos amis de Bourg-en-Bresse, qui n'ont pas fait le déplacement, c'est un petit peu loin, mais on les comprend. Et on vous salue bien bas, on espère que ces commentaires, si la technique nous répond bien, vont vous faire partager un petit peu le plaisir d'être ensemble. Allez, Gaëtan Pichon qui prend la gonfle, c'est bien dégagé, au-delà des 40 mètres. Enfin, un dégagement propre pour l'USC, même si on rend le ballon à Bourg-en-Bresse et pour son premier lancé, Julien. Je répète le score, 3 pour l'USC, 7 pour Bourg-en-Bresse. Allez, Julien, on est sur une touche à 5. Le second sauteur du milieu, oui. Ah, Maigrol est bien coffré par les Carcassonnais. Il est coffré en l'air. On va être. Est-ce qu'on va pas être mis en difficulté? Hop, oui, bien sûr, du côté de Bourg-en-Bresse, puisqu'on a été que Groll a été coffré en haut. Et donc, du coup, le ballon va pouvoir être rendu à Gaëtan Pichon pour l'introduction sur la mêlée qui va être à suivre. Et de ces 40 mètres, peut-être les Carcassonnais vont-ils réussir à venir avec une belle offensive, en tout cas dans le camp récent. Vous pouvez écouter les commentaires aussi sur Vibre Rugby avec notre partenaire. Et Joël Rendé et Christian Guittard sont aux commentaires. Donc n'hésitez pas sur l'application. Vous avez l'image ici avec YouTube et la chaîne de l'USC. N'hésitez pas à partager le son s'il y a un problème. Allez, Gaëtan Pichon pour l'introduction. Les commandements de l'arbitre et ça va être un bras cassé. Décidément, les mêlées ne sont vraiment pas propres du côté de Bourg-en-Bresse. Et j'allais dire, c'est peut-être un petit peu le point faible de cette équipe, en tout cas ce soir. Et monsieur l'arbitre va appeler le capitaine en leur disant probablement que cela suffit et que peut-être c'est le dernier avertissement avant que la biscotte jaune ne sorte de la poche de monsieur Bouzac. Allez, ce sera donc de bras cassés. On passe à une pénalité. C'est Gabin Miché qui va essayer de trouver cette pénale touche et pour essayer d'amener une fois de plus le danger devant la ligne des Bressans. C'est fait. Oui, en sécurité, puisque ce sera une touche au-delà des 22 mètres. Donc Gabin a préféré peut-être assurer cette pénale touche. Et on connaît aussi la force et la puissance après du pack carcassonné. Ça peut être en tout cas une mission intéressante avec au lancer Petrashvili pour les jaunes et noirs. Pour les connaisseurs du rugby, vous savez que le troisième ligne de Bourg-en-Bresse, c'est Pierre Reynaud, l'ancien carcassonné. Mais ce lancer est difficilement capté par les carcassonnés. D'ailleurs, monsieur l'arbitre ne le valide pas. Et donc, ça va être un ballon perdu, une munition gâchée qui va être rendue au carcassonné. Oh, peut-être qu'on va même refaire les Bressans choisissent la touche puisqu'ils ont des difficultés sur la mêlée. C'est assez intelligent. Ça vient confirmer quand même que le secteur de la touche et les Bressans ne sont pas sereins. Et c'est Paulino Toupai qui prend le ballon. Groll le met en sécurité derrière sa ligne des 22. Probablement le ballon était dans les 22 mètres, donc on va pouvoir se dégager. Il ne trouve pas la touche, ça veut dire que... Oui, si, il trouve la touche. Donc c'est que le ballon était bien rentré au chaud. Et donc ce sera un lancer pour Carcassonne. Et la touche est licitement trouvée par Groll. 27e minute ici, Albert Domecq.
Un match qui est sur un faux rythme, 3 pour l'USFC, 7 pour Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse défensivement a fait le boulot sur, en tout cas, ses 27 premières minutes. Et Carcassonne n'a pas trouvé encore la faille dans la défense. Allez, c'est bien trouvé, mais encore une fois, pas bien assuré du côté de Carcassonne. Et on rend donc le ballon à Bourg-en-Bresse qui n'en demandait pas tant par Groll qui va chercher directement ses 3 quarts. Et on poursuit avec Mao. Qui va chercher de Florian, le numéro 11. On passe encore une fois par au-dessus. Et cette fois-ci, le ballon part directement en touche. On va revenir peut-être à une faute du côté de. Pour un plaquage sans ballon par les Carcassonnais. Un arrêt du temps demandé par monsieur Bouzac, qui va probablement appeler monsieur l'arbitre. Et ça sent peut-être effectivement la faute. Qui suit avec le carton. On va voir ce que dit monsieur l'arbitre. Oui, s'il appelle le capitaine et le joueur. C'est Bilal Faldi qui serait sanctionné par monsieur l'arbitre. Donc la biscotte, elle est sûre et certaine. Il y a un carton jaune pour Bilal Faldi. Et ce sera donc une pénalité pour les Bressans. Et quand on connaît le coup de pied de Florian Massip, heureusement, j'ai l'impression qu'ils vont chercher une pénale touche. Ils se sentent assez forts, les Bressans, dans le jeu, ce qui me paraît assez logique à moi aussi. Pour aller chercher cette pénale touche, oh, elle a l'air plutôt belle. Première erreur technique de Florian Massip qui n'a pas réussi à trouver cette touche. Et donc, on va revenir au point de départ. Il y a des fautes techniques de part et d'autre. Oui, il semble un petit peu Florian Massip. On peut le comprendre parce qu'il avait une opportunité d'aller trouver une touche, en tout cas pas loin des 5 mètres de la ligne de but des Carcassonnais. Et finalement, ça va être une mêlée avec introduction Gaëtan Pichon à hauteur des 45 mètres dans le camp de Bourg-en-Bresse. On rappelle que les joueurs Carcassonnais sont à 14 puisque Bilal Faldi vient de prendre un carton jaune sur l'action précédente. Gaëtan Pichon à la manœuvre pour l'introduction de cette mêlée. Secteur où les Carcassonnais pour l'instant ont été dominateurs, mais ils vont pousser à 7 cette fois-ci contre 8 Bressans. C'est introduit. La poussée Bressans n'a pas fonctionné, mais les Carcassonnais sont à l'offensive par Bouraille qui est allé contester la ligne de défense. Le ballon est sorti pour Petrojvili pour les Carcassonnais. On recule un petit peu, effectivement, on se sent un petit peu fort là du côté de Bourg-en-Bresse. Le ballon pour Gaëtan Pichon et on commet en avant du côté de Carcassonne. Le ballon va être rendu à Bourg-en-Bresse. Le match est pauvre, messieurs, dames. On n'a pas trop bougé, on est toujours dans les 45 mètres de Bourg-en-Bresse, mais cette fois-ci, le ballon pour une introduction pour Groll. Alors que le capitaine Baradel est en grande conversation avec monsieur Bouzac, l'arbitre. Il se parlait sur ses mêlées, c'est vrai que ça a été le secteur un petit peu où Bourg-en-Bresse a été en difficulté. Donc peut-être Baradel fait le travail pour bien montrer à monsieur l'arbitre que Carcassonne peut se mettre aussi à la faute. David Sens me fait dire effectivement que comme nous avons un ennui technique, effectivement David Sens ne parlera pas sur cette fin de première mi-temps. Vous allez en être privé. On va dire, il est à côté de moi, il a le sourire, il passe bien sûr le bonjour à tous ses amis qui lui envoient des textos et qui lui disent « Mais pourquoi tu parles pas ?» C'est qu'il n'y a qu'un seul micro. Pour le moment, qui fonctionne, donc David est à côté de moi. On espère que sur la seconde période, en tout cas, nous pourrons commenter tous les deux ce match, parce que je vous avoue que commenter tout seul, c'est tristouné. Donc, dès que David peut prendre le micro, eh ben, il n'y a pas de problème. C'est un ballon directement en touche. Que de fautes techniques dans ce match. Que de fautes techniques pour le moment. Le ballon est rendu au Carcassonne, on ne va pas s'en plaindre. Mais alors, encore un coup de pied qui va directement en touche. Et donc, le ballon pour Petrojvili pour se lancer à 45 mètres, toujours dans le camp Bressan. On n'a pas évolué beaucoup. Le lancer pour Petrojvili.
3-7 pour Bourg-en-Bresse pour le moment. 32e minute, un essai à 0. Lancé Petrashvili, c'est parti. Le ballon détourné par l'équipe de Brest qui commet un en avant. Donc le ballon perdu par Carcassonne va être rendu à Carcassonne sur cette mêlée, pour une mêlée à hauteur des 40 mètres. Une petite pensée aussi pour mes amis Joël Orandé et Christian Guittard qui sont tout commentaires sur Vibre et Rugby. Ils doivent aussi se régaler. Mais eux ont deux micros, David. Voilà. Allez, retour ici. Albert Domecq pour cette dernière journée de National où Carcassonne reçoit Bourg-en-Bresse. On n'a pas parlé de l'affluence. Mais bon, dernier match au mois de décembre. Honnêtement, le stade n'est pas rempli, on ne va pas vous mentir. Allez c'est parti. Introduction de Gabin Michet, c'est une pénalité sifflée par monsieur l'arbitre. Et donc, ça va être un carton jaune. Un carton jaune pour Bourg-en-Bresse. Alors, est-ce que j'ai rêvé ou il a mis un carton de chaque côté? Non. Eh oui. Non, attendez. Non, il a sifflé la pénalité. C'est le pilier. C'est le pilier Bordenave qui a été sanctionné par monsieur l'arbitre d'un carton jaune. J'avais l'impression qu'il donnait un carton jaune aux deux piliers. Non. C'est le Bressan qui a été sanctionné. Donc, on est à 14 contre 14. Et Gabin Michet a l'opportunité d'aller trouver cette pénalty, chose faite à hauteur des 15 mètres avec lancé à suivre, messieurs, dames. Peut-être le temps fort de cette première mi-temps qu'il ne faut pas rater pour les Carcassonnes. On aura relancé bien sûr Petrashvili. Et peut-être une belle offensive des jaunes et noirs. Avec un en avant de chaque côté, en moins des deux équipes. C'est Ergent. Ergent qui a bien capté ce ballon. Il me semble qu'il y a un Bressan qui se met à la faute. Rien dit, monsieur l'arbitre. Le ballon, est-ce qu'il est bien au chaud du côté Carcassonne? J'en ai pas fort bien l'impression. Si, ça y est, on a plus un petit peu. On va passer par le sol. Probablement du côté Carcassonne. Chose faite. C'est Gaëtan Pichon. Gaëtan Pichon qui fait partir Ergent. Qui passe par le sol. Le ballon. Le ballon, encore une fois, on est pénalisé du côté. On est pénalisé du côté de Bourg-en-Bresse. Les Bressans se mettent à la faute une fois de plus. Les Carcassonnais ont une pénalité presque en face des poteaux. Qu'est-ce qu'on va choisir du côté du staff et des joueurs? On n'est pas dominateur en tout cas. On n'est pas dominateur. C'est un petit peu compliqué. Mais Gabin Michet va chercher la pénalty. Il a assuré le garçon. On ne va pas voir beaucoup bouger au niveau de l'emplacement. Ce sera aussi un petit peu, allez, on va dire à 7 mm de l'embut Bressan. Et encore une possibilité pour les Carcassonnais d'en faire quelque chose, si j'ose dire. Le public ici pousse à l'Ever Domecq, mais le jeu est un peu poussif sur cette première mi-temps. On a du mal un peu à se trouver du côté Carcassonnais. Allez, attention, lancé. Petrashvili, on a bien capté ce ballon par Ergent. La cocotte, cette fois-ci, elle avance. Du côté Carcassonnais, on est plutôt sur l'avancée. Oui, on est dans les 5 mètres. Oui, les jaunes. Il y a pas mal de jaunes noirs qui sont venus. Oh, ça va la dame. Et c'est pour Carcassonne. Et c'est collectif en tout cas pour Carcassonne. 36e minute. Et c'est le compteur d'essai qui est débloqué aussi à Albert Domecq par le collectif Carcassonne. 8-7 en tout cas avant transformation. Ça méritait ça au vu de la nomination. Mais mon Dieu, ça a été dur. Pour honnêteté de l'équipe de Brest, le Bourg-en-Bresse a été quand même offensivement plutôt efficace jusqu'à ce moment. Dévastateur en tout cas de ce 7 devant, mais certains trois quarts sont venus pousser eux-mêmes le mol, et c'est un essai collectif pour les jaunes et noirs. Gaëtan Pichon, au-delà des 22 mètres, bien excentré sur la gauche du terrain. Il n'y a pas trop de vent, mais
transformation est plutôt. La tentative, en tout cas, va être assez compliquée dans le cordes complètement du bonhomme, mais assez excentré, donc il faut que la mire, elle soit là. Allez, Gabin Michi dans ses œuvres, Gaëtan Pichon dans ses œuvres. Et ça part plutôt bien, et j'ai l'impression que ça passe. Transformation réussie par le demi de mêlée de Carcassonne, ce qui amène le score à 10 à 7. Pour les jaunes et noirs, on n'ose même pas parler depuis le break. En tout cas, le score a été pris par les Carcassonnais pour la première fois du match à la 37e minute. Allez, remise en jeu par Hollander du côté Bressan. Bien caté par Léo Daré-Latour là-bas au fond. Le ballon est au chaud avec Gaëtan Pichon qui va qui appelle ses avants pour pouvoir passer par le sol effectivement. Chose faite et rentrer dans les 22 mètres. Est-ce qu'on va. Ah, il est un peu sur le côté, me semble-t-il, le Bressan Lyon, mais non, dit monsieur l'arbitre. Donc, le ballon pour Gabin Miché cette fois-ci, effectivement, qui va trouver une belle sortie de camp à hauteur des 35 mètres. Mais le lancer sera pour les Bressans, avec notamment Julien qui a remplacé dès la 20e minute Feltrin pour les Bressans. On va arriver au terme de cette première mi-temps. Peut-être une munition supplémentaire pour les visiteurs ce soir. Avant la pause, d'aller chercher autre chose. Mais la touche est perturbée une fois de plus. Et c'est Léo Daré-Latour qui arrive à casser trois plaquages. Trois plaquages récents qui met un petit peu tout le monde dans le vent. Il est rentré dans les 45 mètres. Gabin Miché pour Vaillava. Pouletoua qui garde le ballon mais qui avance le bougre. Il a réussi à passer le ballon par le sol. On va chercher Ifilichuk qui passe en percussion. Le ballon toujours disponible par Gaëtan Pichon. Ah, il y a Bourret qui est tombé directement. On va aller. Oui, il est passé par le sol. Il aurait dû lâcher le ballon. Exactement, très bien arbitré par M. Bouzac. Et Florian Massil qui a vu que on n'était pas replacé du côté carcassonnais. Et donc, on va se retrouver avec une lancée. Dans les 22 mètres carcassonnés, alors qu'on a Célia Yon, ça qui est resté au sol. Voilà, un joueur qui est resté au sol. Dommage, parce qu'encore une fois, on a nos joueurs carcassonnés qui font la différence dans le jeu, mais le manque de soutien et les erreurs techniques font qu'ils n'arrivent pas à prendre le dessus dans cette rencontre. Et une fois de plus, et je me répète, l'équipe de Bourg-en-Bresse qui défensivement tient bien le choc. Allez, ce sera un lancer pour Julien. On prend le temps du côté de Bourg-en-Bresse. On est dans les arrêts de jeu au chronomètre du stade d'Albert Domecq ici. Allez, Julien à la manœuvre pour un lancer à 5. Avec une fête de Pierre Reynaud, mais on perturbe encore une fois de plus les touches et on va pouvoir aller au contest. Non, du côté de Carcassonne, Groll va pouvoir passer avec Ouloutou, le pilier Bressan. On revient dans le trafic par le petit côté. Je ne sais pas si c'était le bon choix parce qu'on est venu contester et le ballon va pouvoir être. Que dit monsieur l'arbitre, fin de première période ici, Albert Domecq. 10 pour l'USC, 7 pour Bourg-en-Bresse. On se retrouve après la pause en espérant que l'ennui technique soit finalisé. A tout de suite.